J'ai pas voulu du tout faire de différence parce que par rapport à ses collègues, ça aurait pu être aussi un problème, dire oh, ben voilà, on a une fille, donc faut la chouchouter, la mettre, lui faire faire que des tâches les plus faciles, les moins lourdes, non, du tout. De toute manière, elle n'aurait pas accepté parce que ce qu'elle veut, c'est vraiment participer et faire la même chose que ses collègues. Donc, Je fais comme tout le monde. Après, s'il faut forcer, je force. Et après, quand le patron il voit que bah, je peux plus forcer, il prend la suite. Donc après, je ne suis pas un garçon non plus. Hein. On n'a pas la même force physique. Alors les conditions physiques, je crois que quand on embauche une femme, il faut aussi s'adapter. Hein. Il faut s'adapter son poste de travail et surtout travailler en binôme. Il faut que dans le binôme, ça fonctionne bien. Il faut que le compagnon qui va être avec elle fasse attention qu'il a une jeune femme, puisque bien souvent ce sont quand même des jeunes femmes, et modérer un petit peu parfois le poids qu'elle va devoir porter ou autre. Mais sorti de là, ça ne pose pas de problème particulier. Oui, il me donnait des boulots bah, comme il faisait, faire la colle, maçonner, faire pousser la brouette, ramasser des cailloux. J'ai eu droit à la même chose que les garçons. J'ai la chance de tomber sur des équipes sympas, qui m'apprennent aussi beaucoup sur le terrain, qui me font faire des choses nouvelles que j'ai pas encore apprises, donc ça c'est important aussi. Et du coup, j'ai voulu vite, quoi. Ça roule pour moi, quoi. Faut prouver qu'on est capable nous-mêmes de faire la même chose. Et puis, ne serait-ce que pour nous-mêmes. Après, je le fais pas pour les gars, je le fais pour moi-même, quoi. Parce que sinon, je peux pas être couvreuse si je peux pas le faire moi-même. Par rapport au travail confié, elle a les mêmes tâches que les autres opérateurs sur le chantier. C'est un choix pour ne pas la mettre de côté et discriminer. Surtout pas faire de différence. Là où on peut sentir du malaise, c'est parce qu'on dit bah, « toi t'es une femme, donc tu dois faire mieux que lui ». Non, tu viens, tu travailles normalement, tu fais ton travail, et nous derrière on doit la juger comme bah, toute personne. Donc il faut rester... Ils ont chacun leur prestation à faire, mais il y a bien sûr de l'entraide, de l'échange.